Good morning, Alaïdan et Tusra aujourd'hui, Lélo Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Nedarim, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Amudar Ana Mechavero, Venichnaz Levakro, Omed Aval Lo Yoshev, Omerapeu Refuat Nefesh, Aval Lo Refuat Mamon, Verochet Simo Bam Bat Yagdola, Aval Lo Baktana. On continue à découvrir la halakhot de celui qui est Mudar Ana Mechavero, celui que deux amis, enfin deux voisins qui se sont fâchés et qui se sont prononcé un éder, que tu profites plus de moi, je profite plus de toi. Et on s'intéresse à savoir quelles sont les actions qu'on peut malgré tout profiter l'un de l'autre. De manière générale, on a déjà posé le principe que lui apporter quelque chose de positif, j'ai pas le droit de lui faire. Mais. Ouais, quelque chose que je lui apporte une ana'a, mais par contre, lui éviter une perte, j'ai le droit de faire certains axiomes qui va un petit peu réapparaître ici, mais plus tellement fortement. On commence déjà avec le premier cas, que maintenant, le voisin, il est malade, et je veux rentrer chez lui. Bon, malgré tout, mitzvah bikocholim. Tout ce qui est mitzvah, d'abord, j'ai le droit de l'accomplir. Là, ça touche à un problème un peu délicat, mais on va essayer de le contourner. Amudar ana mechavero, si j'ai donc celui qui a prononcé un éder qui ne profitera pas de son voisin, venichnas levakro, et je rentre pour lui, parce que lui faire bikocholim pour voir comment est-ce qu'il va, malgré tout, peut-être qu'il faut prévenir des gens de venir. Alors, omed, je pourrais rester debout, aval lo yoshev, je ne pourrais pas m'asseoir. Soit, en fait, la Gemara explique qu'on parle, qu'il y avait un usage de payer des gens pour qu'ils viennent faire la mitzvah bikocholim. Mitzvah bikocholim, il faut bien comprendre, c'est venir rendre visite, c'est peut-être lui donner la sensation qu'il est important pour nous, c'est vrai, lui remonter le moral, mais c'est surtout pour voir de quoi il a besoin, de quoi il n'a pas besoin. Et dans certains endroits, il y avait des gens spécifiques qu'on désignait pour faire cette mitzvah bikocholim, de venir voir le malade. Alors du coup, ces gens-là qui venaient travailler, alors il y avait, qui venaient voir les infirmiers, en fait, c'est les infirmiers de l'époque, aujourd'hui dans l'hôpital, on est tout couvert par les assurances et tout ça, mais à l'époque, il fallait quelqu'un qui soit là sur place, qui soucie des petits soins. Alors s'il y avait un usage de payer, c'était sur le compte du malade, et du coup, si moi je rentre et je veux lui faire cette mitzvah gratuitement, hein, alors il va profiter grâce à moi. Mais malgré tout, l'usage, il était de payer que celui qui va s'installer, qui va s'asseoir, pour regarder, mais celui qui rentre juste très rapidement sans s'asseoir, l'usage était de travailler gratuitement, donc j'ai le droit de le faire, d'accord? Maintenant, quand il est malade, ou mérapé ou refouat nefesh, j'aurai le droit de lui réparer, de le guérir, refouat nefesh. Refouat nefesh, c'est pas qu'il est malade moralement, c'est pas le sujet, mais c'est j'aurai le droit de guérir son corps, par opposition à valor refouat mamon, j'aurai le droit de guérir son argent. Soit c'est bien. En fait, la Gemara, elle explique que j'ai une mitzvah de guérir une personne. Mais j'ai pas forcément une mitzvah de guérir un animal. C'est délicat, ça touche à plein de détails, mais je vous explique très succinctement l'idée. Que le guérir, il y a avidat gufo. Si j'ai quelqu'un qui il a un problème, j'ai une mitzvah d'aller l'aider pour le remonter, pour l'aider. D'accord? Donc c'est une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah. Dans ce cas-là, moi, quand je vais accomplir ce devoir-là, je ne le fais pas pour donner profit à mon voisin. Je fais parce que j'ai un devoir vis-à-vis d'Hachem. Mais mitzvah tlav leinot nitnu, je fais par rapport à mon devoir, par rapport à Hachem. Je lui fais ça. J'accomplis une mitzvah, donc j'ai le droit de venir l'aider. Dans la mesure où on a l'usage de ne pas prendre de l'argent pour guérir quelqu'un, c'est rapporté au nom du Roj dans le Tosafot. Maintenant, si toutefois, entre parenthèses, si toutefois on a l'usage de payer le médecin pourra rentrer sans ausculter, mais qui lui dit, écoute-moi, dans ta situation, je pense que si tu veux acheter tel médicament et tel médicament, ça va t'aider beaucoup. Ça, j'ai le droit de lui dire, mais j'ai pas le droit de moi de m'occuper de lui, de venir faire un massage, de venir lui prendre l'attention, de venir le soulager, quoi que ce soit, j'ai pas le droit de l'aider, parce que le Moderna, si on a l'usage de prendre l'argent, si on fait gratuitement, j'ai le droit de venir lui faire.
comme on l'a expliqué. Maintenant, lorsqu'il a son animal qui est malade, ouais, son animal qui est malade, par exemple, son animal qui boite, j'ai pas de mitzvah de venir sauver son animal, il n'y a pas de Hashavat Gufo, il n'y a pas de Hashavat Aveda, il y a une Hashavat Aveda sur les biens en général de mon voisin, qu'il n'ait pas des pertes. Une fois que la perte est déjà là, j'ai pas de devoir de partir maintenant lui retaper son... Il n'y a pas de Hashavat Aveda si jamais il a son robinet cassé, de lui réparer son robinet. Alors selon le même principe, s'il a son cheval qui boite par exemple, j'ai pas d'obligation de partir lui remettre son pied en place. Il boite, ben tant pis, il a un cheval boiteux. D'accord? Et donc dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit de le guérir, parce que dans ce cas-là, si je le guéris, je lui apporte quelque chose. Et j'ai plus de mitzvah de le faire, j'ai plus d'obligation de le faire. Donc du coup, ça s'appelle que je le fais profiter de quelque chose de gratuit. Aussi, autre sujet maintenant, on continue. Et là, ça va devenir intéressant, on parle d'un autre domaine complètement. J'aurai le droit de me baigner dans le même bain que lui, pour une grande baignoire, un grand bain, un grand bassin, si elle est très vaste. Mais par contre, un valo bektana, mais pas sur un petit bassin. Imaginez, alors je ne sais pas comment ça se présentait les douches publiques à l'époque, mais c'était une sorte de fosse où il y avait plein de gens qui rentraient dedans, et on se... tous ensemble, je ne sais pas comment, on se lavait avec la, chacun la transpiration de l'autre, je ne sais pas exactement comment ça se présentait, mais concrètement, si jamais c'est un très grand bassin, alors là, il n'y a qu'un problème, il est là-bas dans l'eau, moi aussi je peux rentrer dans l'eau de l'autre côté, mais si on est dans un petit... dans une petite baignoire où il n'y a pas que pour trois personnes par exemple, alors lui, quand il est dans la baignoire, il a l'eau qui lui arrive au nombril, c'est désagréable, chaque fois qu'il veut se lever un petit peu plus, il doit se baisser. Si moi je vais rentrer, alors le niveau de l'eau il va monter, il va profiter de moi du niveau d'eau qui monte, là je n'aurai pas le droit parce qu'il profite de moi. D'accord, vous avez compris? Ouais, on continue. Veyachen imo bamita, et j'ai même le droit, si on est bloqué, on doit dormir dans le même lit, on n'a pas... Ouais. On a un lit, maintenant, on est là, on est tous les deux, on se retrouve dans une même auberge, on a un lit à deux pour dormir, on a le droit de dormir un à côté de l'autre, même s'il est moudarana, mais sur Savir Rabbi Yehuda, il me précise, attention, il n'y a pas de marque maquette, tout le monde est d'accord avec ça, qu'on parle bimota chama, quand c'est l'été, avalobimota chamim, pendant les jours de pluie où il fait froid, alors deux personnes qui dorment à proximité, ça produit de la chaleur, et c'est plus agréable, et je n'aurai pas le droit de le faire profiter de moi, donc on n'a plus le droit, si on est moudarana. Ok? De même aussi, Mipnechu Mano, parce que je lui le fais profiter de sa chaleur. À part ça, si vous mettez vimo la mita, il aura même aussi le droit de. Imaginez qu'on se retrouve, l'idée elle est simple. On se retrouve, mise en scène. On se retrouve maintenant, on était tous les deux, Mudarana, lui et moi. On se retrouve maintenant, on est parti à. Je sais pas où, on se retrouve dans un petit patelin là-bas. Il y avait une petite auberge, une petite chambre, avec un lit pour deux. Et à part ça aussi, un lit pour deux sur lequel on est censé à la fois dormir la nuit et même aussi manger là-bas, se poser dessus. Alors sur ça, on a dit, écoute, dormir un à côté de l'autre pendant les jours de pluie, t'as pas le droit. Mais malgré tout, manger à un côté de l'autre, vous avez le droit de le faire. Parce que là, c'est pas à ce point-là de produire de la chaleur, c'est surtout quand on dort qu'on a besoin d'avoir cette chaleur qui est produite par les corps qui se trouvent à proximité. Ok ? Ah voilà, maintenant, on a Veochel Imo la Shulchan, j'ai même aussi le droit, on est dans la même auberge maintenant, on a le droit de manger sur la même table, on a le droit de manger sur la même table. Pour quelle raison? Il y a un problème là, il faut bien préciser. Vous savez que si je mange du lait et vous mangez de la viande, on n'a pas le droit de manger sur une même table. On n'a pas le droit de manger sur une même table, vous et moi, à part le problème de la nappe. Imaginez une table sans nappe. On n'a pas le droit de manger moi et vous à côté de proximité. Un qui mange du lait, un qui mange de la viande, on a peur que, de peur que... Je vais te donner à manger ce que je mange, tu vas manger ce que je mange, on va manger le lait et la viande. Ça, c'est une halakha. Alors, selon ce principe, ouais, sinon, si on veut manger ensemble, il faut forcément mettre un équerre entre nous, comme dans les l'chot nida, il faut mettre quelque chose qui n'est pas, je sais pas, un objet qui n'a rien à faire sur une table, et vous le mettez entre vous, un sac à main, vous le mettez entre vous, comme ça, ça vous rappelle qu'il ne faut pas le manger, comme ça, c'est parce qu'il me rapporte. Maintenant, on a un problème. Là, je t'ai dit que deux personnes qui sont en éder, un de l'autre, ils ont le droit de manger tous les deux à table. Pourquoi on craint pas qu'il va lui donner à manger? La réponse est que non. S'ils sont des Nedarim, c'est en son l'autre, c'est qu'ils ne peuvent pas se piffrer. Ils ne peuvent pas se supporter. Donc forcément, il ne va pas lui proposer à manger de son assiette. Peut-être qu'à la limite, il va lui voler de son assiette. Là, le problème ne se pose pas. D'accord? Donc en fait, on ne craint pas qu'il va se mettre à lui tendre à manger, donc ils pourront se mettre à manger sur une même table. Mais malgré tout, aval lominatam khouy, ils ne pourront pas manger du même tamkhouy. Comment ça se présentait à l'époque? Le même tamkhouy, le même chaudron. Soit, imaginez, comme je vous dis, on se retrouve tous les deux dans la même auberge, on se retrouve dans un petit patelin, il y avait l'auberge là-bas pour recevoir les juifs, un petit
6 mètres carrés, pas plus, avec un lit tant bien que mal et une petite table tant bien que mal. On est de là-bas de passage, on a 12 heures à passer. On est arrivé pour Shabbat, on doit passer maintenant 24 heures comme ça, on est dans le même endroit. On nous apporte aussi à manger maintenant, on nous apporte à manger, on ne va pas mettre tout le couvert avec. On nous apporte une kehara, un bol avec un ravier avec dedans de la nourriture. Et ben on n'aura pas le droit de manger ensemble. Pour quelle raison? De peur que quand je vais manger, je vais finalement décider d'en laisser, comme ça au pire il aura plus à manger. Waouh! T'as fait ça, ça signifie que tu as une intention de lui donner à manger, tu lui donnes à profiter. Tu n'as pas le droit de le faire profiter, donc tu n'as pas le droit de manger dans le même tamkhoui. Si vous recevez le même tamkhoui, il faudra demander au propriétaire qui vous donne malgré tout une deuxième assiette pour couper ça en deux. Un mange l'un, l'autre mange l'autre, et puis c'est tout. D'accord? Et donc vous n'aurez pas le droit de manger en même temps. Aval, cependant, Aval Ochalou, Imo Mina Tamkhoui Achozer, il pourra manger avec lui en même temps du Tamkhoui Achozer. Du ravier qui repart chez le propriétaire. Soit, en fait, le propriétaire nous a amené un super grand plateau, il y a dedans, je sais pas moi, 10 schnitzels. Il nous a dit, mangez ce que vous voulez. Donc dans ce cas-là, je peux manger, je vais combien manger? 1, 2, 3, après je vais en laisser. Je vais pas avoir d'intention pour mon voisin, pour mon copain. Parce que lui, de toute façon, s'il va en manger, on va laisser. C'est prévu que le plateau, il va repartir chez le propriétaire. Donc dans celle-là, lorsque je vais avoir d'intention d'en laisser pour que mon ennemi, en fait, pour que mon voisin va manger avec moi. J'ai pas d'intention pour qu'il mange avec moi, j'ai juste, j'en veux plus, donc le propriétaire, il va reprendre ça, d'accord? À part ça, donc Aval Ochelou Imo Minatam Khouya Khoser, donc il va pas manger avec lui dans la même Kahara, dans le même ravier qui va repartir chez le propriétaire. Lo Yochal Imo Minayevus Shelifne Poalim, il n'aura pas le droit de manger avec lui non plus du Evus. Shelifne Poalim. Alors, le Evus, normalement, c'est le. J'ai oublié comment ça se dit en français. Yadashor Koneu Vachamor Evus Bealav. Le Evus, c'est l'endroit où les animaux y mangent. Je l'avais une fois, j'ai oublié de. Enfin, d'accord, le mangeoir, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. C'était un grand bac où on mettait plein de nourriture pour les animaux. En fait, on parle que même les employés aussi, lorsqu'arrive l'heure du repas, on ne leur sort pas le couvert avec chacun un bon celui de rue. On met de la nourriture en vrac. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les employés, comment ils mangent quand ils travaillent. Ouais, en Israël, c'est fréquent quand les Arabes travaillent, c'est phénoménal avant. Ils travaillent. Après, ça arrive l'heure du repas. Ils se mettent tous sur une même table. Ils prennent des briques et tout ça. Et puis, ils mettent tout comme ça, avec les mains plus ou moins propres, plus ou moins sales. Ils mangent tous comme ça, avec leur pain et un peu de thon et du houmous. Et voilà, c'est comme ça que ça mange. Donc, ça, on compare ça, cette nourriture-là, cette manière de manger à un evus. Le problème maintenant, c'est que on met une grosse quantité, mais chez les Poalim, c'est des gens qui mangent beaucoup, ils ont besoin de beaucoup de force, ils travaillent dur. Ouais, c'est des maçons, c'est des carreleurs, c'est de ce que vous voulez, ils ont besoin de beaucoup de kohot, et donc du coup, seulement manger, ils vont manger tout. Si maintenant il y en a deux moudars, Ana et Khadro, qui se retrouvent en même temps, en train de manger dans le même Evus, alors, c'est même si c'est une grosse quantité, mais de toute façon, ils vont tout finir, donc tout ce qu'il va laisser, ça va être pour son copain, et il n'aura pas l'air de lui donner, de peur qu'il va avoir une intention de le laisser exprès pour lui. Ok? En plus de ça, imaginez maintenant, on se retrouve maintenant, on était tous les deux, on a été appelés par le chômage, ils nous ont trouvé du travail. Ouais, pour aller cueillir la cueillette des fruits. Je travaille, j'arrive là-bas, mon voisin avec qui je suis en froid, que lui aussi on a la cueillette. Et pire que ça, on se retrouve à travailler dans la même rangée. J'ai pas le droit de travailler avec lui dans la même rangée. Va lui dire Saïmo Ba Ouman. Ouman, c'est la rangée dans laquelle on travaille des fruits, de la cueillette. Eh bien, on n'aura pas le droit de travailler ensemble. Vous savez pourquoi? Je continue la Mishnah, après je vous explique. Ça, c'est du vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir est interdit. On dit que Chachamim, Chachamim, ils disent non, on sait où Berachok, mais nous, on aura le droit de faire dans la même rangée, mais à condition qu'il travaille plus loin que lui. Soit, vous savez, quand on cueille les fruits, je ne sais pas exactement comment ça se présente, quel type d'arbre, mais il y a du feuillage, il faut chercher les fruits pour les cueillir. Maintenant, si on travaille, maintenant, quoi qu'il arrive, si on travaille à proximité l'un de l'autre, d'après tous les avis, lorsque je vais commencer, moi, à travailler et à pousser les branches, au même moment, il va derrière moi, lui aussi, il va profiter du fait que j'ai tiré une branche. Il est en train de profiter de moi, je n'ai pas le droit de lui faire ce profit. Donc on n'a pas le droit de travailler ensemble à proximité. La seule question, elle est-ce que moi, je peux travailler avec sur trois arbres plus loin, et lui, il reste travailler sur le premier arbre, dans la mesure où, finalement, je travaille là-bas, et lui travaille ici, donc on ne profite pas de moi. Rabbi lui permet. Et Rabbi Meir va dire, non, même ça, je l'interdis, de peur qu'il va commencer à travailler là-bas, puis après, l'autre, il va finir plus vite son travail, et on se retrouver finalement à travailler. En même temps, donc j'interdis complètement la situation, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, comme tout le monde.